Alors notre histoire, on l'a depuis tout petit. C'était un poulain très très sensible. Ça a toujours été, même en liberté, sous en liberté, un extraterrestre. Mais vraiment à prendre avec des pincettes. Donc on a pris le temps. L'objectif était vraiment les 6 ans. Bon après, il y aura les 7 ans, etc. Mais là, il commence à, dans sa tête à être vraiment au point. Donc voilà. La saison, il n'a pas touché une barre de la saison. Il n'y a que à Compiègne où j'ai voulu essayer un mort à la piste. Donc petite bêtise de ma part. Et à un moment, il n'a pas voulu tourner d'un côté. Donc j'ai dû faire une volte. Mais sinon, il a fait toute la saison sans effleurer une barre. Le cheval a sauté magnifique. Deuxième jour, je ne sais pas pourquoi, je me suis mis un coup de pression, mais le cheval était là. Et après, une fois qu'on rentre en piste, on se met tous les deux dans notre bulle et on fait ce qu'on a à faire. Et là, pour la finale, moi, pas du tout stressée. Je me suis dit que c'était un parcours comme un autre. Mon cheval est un crack, donc si je le monte correctement, je sais que je ne ferai pas une faute gratuite, quoi. Bah, ses qualités, c'est qu'il a un respect comme peu de chevaux ont, une tête en or, des moyens, je pense, pour sauter vraiment le haut niveau. Donc, il a que des qualités, à part son côté sensible, mais qui, maintenant, à partir de ce stage-là, va devenir une qualité. À court terme, là, il va aller au pré, se vider la tête, et puis... À long terme, l'idée n'est vraiment pas de le vendre parce que vraiment, on en a bavé avec lui depuis qu'il est tout petit. On verra bien où ça nous mène. Si l'objectif est de faire du haut niveau, après, on va gravir les échelons ensemble petit à petit, quoi. Bah, déjà, je remercie son propriétaire. Ça a été son premier achat, il l'a acheté poulain. Il me fait totale confiance depuis le début. Donc il veut me le garder justement, c'est pas un cheval à commercialiser, donc c'est quand même très rare d'avoir quelqu'un comme ça. Toute l'équipe, parce que de les grooms, etc., parce que c'est au quotidien pas un cheval très facile. Voilà.